T-34 est un char moyen entré en service en 1940 au sein de l'Armée rouge. Il constituait à l'époque un remarquable équilibre entre les trois composantes fondamentales qui caractérisent la qualité d'un blindé: la puissance de feu, la protection et la mobilité. Cette réussite en fait l'un des atouts de l'Union soviétique face à l'invasion de la Wehrmacht. L'usine numéro 183 de Kharkov reçut l'ordre, fin 1937, de concevoir un successeur au BT-7. Il en résulta le prototype A-20, qui, tout comme le BT, avait la possibilité de rouler sur chenille ou sur roue une fois les chenilles ôtées. Cependant, les retours d'expérience des tankistes républicains utilisant les BT lors de la guerre d'Espagne décidèrent les autorités soviétiques à produire un roulant uniquement sur les chenilles, le A-32. Puis, une version mieux blindée prit le nom de A-34. Début 1940, le ministre de la Défense soviétique donne son accord pour la production de 150 exemplaires du A-34, sous le nom définitif de T-34. La mise en forme du véhicule est classique, avec le moteur à l'arrière. Tous les côtés de la caisse sont très inclinés par rapport à la verticale. Cette caisse est fabriquée avec des plaques d'acier homogènes soudées entre elles. Le profil bas du T-34 en fait une cible plus difficile à neutraliser. Le char d'assaut soviétique est de fabrication rustique et solide. Son confort est sommaire, voire spartiate. Sur certains modèles, les tankistes soviétiques devaient parfois changer les vitesses au maillet lorsque les mécanismes étaient récalcitrants. Mais qu'il fasse 40 degrés au-dessus ou en dessous de 0 degré, le T-34 démarre en quart de tour. Ses larges chenilles s'adaptent parfaitement au terrain du fond de l'Est. Il est à l'aise sur route, autant que dans la neige et la boue. Bien que l'épaisseur du blindage de la caisse du T-34 semble relativement faible, à seulement 45 mm, le blindage de quatre côtés de la caisse est incliné. L'inclinaison a pour effet d'augmenter le blindage effectif. L'avant du T-34 est incliné à 60 degrés par rapport à la verticale ou 30 degrés par rapport à l'horizontale. Cet angle double l'épaisseur réelle du blindage. De 45 mm, l'épaisseur effective passe donc à 90 mm. Le blindage peut être comparé à peu de choses près au Panzer Tiger 1, qui est à 100 mm non incliné. Alors que le Reich assiste au désastre de Stalingrad, les Allemands multiplient les modèles produits en petite série, tandis que l'Union soviétique produit environ 60 000 exemplaires de T-34 en seulement 4 ans. Malgré tout,
le T-34 n'est pas exempt de défauts. Le principal d'entre eux est la tourelle qui ne comporte que deux membres d'équipage, le chargeur et un chef de char en même temps canonnier. Ce dernier ne peut à la fois observer le champ de bataille et utiliser le canon principal, contrairement à ses adversaires allemands, qui ont trois hommes en tourelle. Les optiques du char étaient de très mauvaise qualité, rendant l'observation du champ de bataille compliquée, et les radios ont une portée faible et sont peu fiables. En réponse à l'évolution des Panzers en 1942, le T-34 verra sa tourelle modifiée en recevant un canon de 85 mm et surtout capable d'accueillir trois membres d'équipage, corrigeant ainsi le principal défaut du char. À l'été 1943, les canons de 76,2 mm du T-34 ont montré leurs limites. Les soviétiques lancent la production du T-34-85, armé du canon de 85 mm, le ZIS-5-85. Malgré tout, ce canon reste encore insuffisant pour concurrencer le Tiger et le Panther. Au cours de l'hiver 1943, ce canon est vite remplacé par le 85 mm D5T, performance plus convaincante. Ce dernier inverse donc la tendance avec une perforation de 110 mm à 1000 mètres de distance, ce qui lui permet de se mesurer aisément à la majorité des chars allemands, dont le Tiger A, qu'il peut désormais pénétrer frontalement à une distance entre 800 et 1000 mètres. Et lui fait prendre un avantage décisif sur la dernière version du Panzer IV Arosef H. Finalement, le canon ZIS-53 est préféré au D5T, car plus efficace et plus simple à produire début 1944. C'est le T-34-85 modèle 1944.